like me. This is too cool. Okay. Oh. Et dans les bidois, ça tient bien. Je sais pas si j'ai confiance. Quoi. Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite aventure. On est en pleine forêt de Fontainebleau sur le parcours montagne Franchard-Cuisiniere. Un parcours qu'on aime faire pour nous préparer à la montagne. C'est à peine à 40 km de Paris, donc c'est plutôt sympa. Ce parcours, il a été dessiné en 1960 par un groupe du club alpin français. À la base, c'était pour l'entraînement à l'alpinisme. Là, c'est des bonnes mains. Allez, allez. Ça pique clairement. L'idée, c'est de suivre toutes ces balises oranges dans un sens ou dans l'autre. Il y a une petite boucle et une grande boucle. Longueur approximative 10 km. Il y a à peu près 75 blocs qui demandent tous des qualités de grimpe un peu différentes. On est à mi-chemin entre le trek, le parcours, la grimpe. C'est évidemment très très exigeant, physiquement, techniquement, ça engage un petit peu. C'est pas un truc qu'on peut faire avec des crash pads sur son sac. Comment tu le sens? Bah ça a l'air un petit peu chaud quoi, mais... Ok. Ouais. On emmène avec nous Guillaume, B+, qui l'a déjà fait la dernière fois, et Jessie, que vous connaissez peut-être. Mais ça claque. Don't break the tree, hein. I break it for you. On croise vraiment pas grand monde sur ce parcours, ce qui est plutôt sympa. On comprend pourquoi, la blessure est jamais très loin. Yes. La dernière fois qu'on a fait le parcours, les 6 km, on les a pas bouclés. Avec Marie, on grimpe. Pour autant, on a trouvé ça quand même assez difficile. Là, faut sortir? Ouais, c'est là où. Putain. De temps en temps, ça engage tellement qu'il y a des trucs qu'on a sautés. Aujourd'hui, c'est une assez belle journée, ça colle bien, on va rien sauter. Il reste combien de kilomètres, Guillaume? Je sais pas, 22. Allez, à toutes. C'est dans la boîte. So we'll have to do everything again, right? Yeah. No, no, no. C'est chaud. Ça fait un bien fou de se défouler comme ça, pas loin de Paris, d'avoir l'impression d'être en pleine montagne. Ça met autant plein les pattes et les bras. Mais à chaque fois, je me demande comment on va terminer la journée, quoi. On est à la moitié et on est rincé. C'est quoi le conseil que tu donnes aux gens, toi? Commence très tôt. Bien choisir ses chaussures, il faut une bonne adhérence dans les cailloux plein de sable et en même temps un truc assez précis pour les toutes petites prises de pied. Prendre suffisamment d'eau. Évidemment, ramasser les poubelles, faire cette forêt un endroit un petit peu plus propre.